Salut à toutes et à tous, c'est Check Dak Rouge, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ce clip du jour de code QG du 13 janvier 2016. J'ai pas forcément le temps de blablater longtemps, donc je vous concocte un petit menu du clip du jour assez rapide. Michel, balance-nous les clips, c'est parti. Et on commence sur la breach de Call of Duty Black Ops 3 et pas bitch mon coquin. On est en mode safeguard avec le SVG de Monsieur Go Lights qui va nous faire 3 petits kills ennemis avant de switcher sur son locus et nous mettre le dernier pour la quad feed. Mais tout ça en kill cam, quad feed kill cam final avec le petit ralenti qui passe crème, ça fait plaisir et je vous laisse regarder. Et notre deuxième joueur prend littéralement code QG pour sa chaîne secondaire et pour cause. Ça fait déjà 3 fois que je le commande dans un clip du jour. On pourrait faire 25 clips du jour par semaine qui seraient déjà dedans. Il s'agit de You Want To Play qui lui aussi sur la map Breach de Call of Duty Black Ops 3 avec son locus et qui va te faire une 5 on-screen maintenue 2 fois. Voilà, on arrive déjà à la fin de ce clip du jour de code QG. J'espère qu'il vous aura plu. Ouais, je vous l'avais dit, on fait rapide aujourd'hui parce qu'on n'a pas vraiment le time, tu vois. Mais j'espère que ça vous aurait fait quand même plaisir parce que ça faisait longtemps que j'étais pas passé, tu vois. Le dernier clip du jour que j'avais fait, c'était quand? C'était l'année dernière. Et quoi? Mais j'ai juste voulu mettre une blague pour détendre l'atmosphère à la fin, quoi. Ah, Michel, je crois que c'est la fin. Ah, il voulait ma peau depuis le début. Si vous voulez me revoir dans un clip du jour, vivant. Lâchez votre like, venez vous abonner à ma chaîne et faites-moi des dons. Michel passe-leur les instructions s'ils veulent passer. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit. A plus les gens. Énorme Michel, et le plus con c'est qu'il y aura toujours des gens pour le faire. Bref, je crois que cette année on va pouvoir se payer pas mal de kebab avec notre YouTube monnaie. Quel micro. Mais putain Michel.